dire hein, que vous êtes dans un domaine technique. Et pour ceux qui sont dans un domaine technique, vous n'avez pas toujours besoin d'attendre une étape. Hein, vous n'avez pas besoin d'attendre une structure pour vous recruter. Vous pouvez créer votre propre entreprise. Et ceux qui ont le courage pour le faire, ce n'est pas tout le monde qui a l'aptitude pour créer une entreprise. Les gens pensent que créer une entreprise, c'est facile. Ce n'est pas du tout facile, mais quand on a le yak, on a le courage, la persévérance, la force qu'il faut, on peut créer son entreprise, la faire prospérer. Mais ce que je recommande, c'est bien de créer son entreprise pour ne pas rester à la maison, pour ne pas rester au chômage. Vous pouvez créer votre entreprise. Vous n'avez pas forcément besoin de tout de suite prendre les papiers. Bon, moi j'ai des formations pour la création d'entreprise et autres, pour ceux qui sont intéressés. Quand vous allez finir vos études, que ce soit un master ou que ce soit en licence, si vous êtes intéressé, vous voulez créer une entreprise, vous voulez de l'accompagnement avec bon, quelques petits. Je vais vous faire une petite facture. Hein, et puis vous accompagner dans la création de votre entreprise, comment faire les procédures administratives. Et souvent même, on n'a pas besoin forcément de commencer dans le formel. Hein, pour certaines entreprises, vous pouvez commencer dans le formel. Dans le quartier, vous informez les gens, j'installe des panneaux solaires, je fais ci, je fais ça. Et puis avec le temps, le reste vient. Diapo suivant. Merci pour votre attention. C'était moi. C'était prévu de prendre une. Pourquoi vous avez arrivé à combiner votre vie artistique pour les travaux que vous faisiez quand vous étiez étudiant et pour pouvoir sortir finalement? Merci infiniment. Voilà aussi une question pertinente parce que j'avoue que ce n'était pas facile. Et comme je l'ai dit, c'est la concentration. Parce que j'avais des camarades qui étaient en inscription unique. C'est-à-dire, moi j'étais en double inscription. J'étais à l'ILACI et j'étais en anglais. Double inscription. J'ai fait les deux maîtrises, maîtrise en anglais, maîtrise en arabe. Et pendant qu'on était étudiant, on avait des camarades qui étaient seulement en anglais, mais qui n'ont pas réussi, qui ont échoué l'année. Pendant que moi je sortais major et tout et tout, et que j'étais aussi leader de l'autre côté, des deux côtés, il y en a qui ne, je ne parle même pas de moyenne, c'est-à-dire qui ont échoué, qui ont repris l'année. Et de l'autre côté, ceux qui ont repris l'année. Et pendant ce temps, moi, en plus des deux cours de l'anglais de l'ILACI, je vendais les livres, comme je vous l'ai expliqué. En plus de ça, il fallait aller répéter la musique tout le temps, soit à Porto Novo, parce que le groupe, certains membres étaient à Porto Novo, et certains étaient ici à Porto Novo. Tous les week-ends, je devais aller à Porto Novo pour répéter, pour le single, il fallait aller au studio, poser la voix, revenir, tout ça, aller faire des concerts. C'était vraiment lourd. Et comme je le dis, la solution, ce qui m'a sauvé, c'était vraiment l'organisation, être concentré. Par exemple, c'était pas... J'étais, comme je l'ai dit, les distractions, j'ai parlé des filles du showbiz. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu le monde du showbiz, quand vous êtes une star, les go aiment les stars. Hein, les go, hein, vous savez. Les femmes aiment les stars, ou les starlettes, ou les vedettes, ce que vous voulez. Et donc, très souvent, ce qui crée le problème aux artistes, aux stars, c'est le fait de se laisser aller à cette distraction. C'est-à-dire, on vous distrait très facilement. Je connais des artistes avec qui on a commencé notre carrière artistique ici au Bénin, qui ont maintenant une dizaine d'enfants et de six mamans différentes, quoi, et tout et tout, parce que, pas forcément parce que les enfants sont des enfants biologiques, hein, parce que parfois, vous allez à un concert à Bamikwara, ou bien vous allez à un concert à Lokosa, et puis vous vous laissez aller, après le concert, là, les dos viennent s'aligner là, tout et tout, et puis tu te laisses aller là, et puis après. La gros, elle avait une grossesse d'un mécanicien du coin, mais elle se dit, entre le mécanicien et la star, il vaut mieux dire que c'est la grossesse de la star. Du coup, c'est comme ça, beaucoup d'artistes se retrouvent, on dit qu'il a 10 enfants, il a un enfant à Bokosa, il a un enfant à Potomou, un enfant à Potomou, un enfant à Parakou. C'est pas forcément leur enfant biologique, hein, ça, c'est pas... Donc, il fallait vraiment être très concentré. Je sais ce que je voulais, je me donnais à fond. En apparence, comme je l'ai dit, on me voyait comme un petit voyou là, les cheveux tressés, tout et tout. Mais non, je n'étais pas du tout voyou, hein. J'étais très concentré sur ce que je voulais. Je me donnais à fond, je lisais mes cours, que ce soit en anglais, je ne ratais pas, je ne séchais pas les cours.
Je ne séchais pas du tout les cours. C'est les week-ends ou les jours où on n'avait pas de cours. À l'illation, on finissait tout le temps autour de 14h. Et en anglais, c'est jusqu'à 19h en fonction des programmes. Et les jours où j'avais la chance de ne pas avoir de cours ni à l'ILACI et en anglais, c'est ce temps-là que j'utilisais pour aller dans les collèges privés pour vendre mes livres et tout ça. Donc, c'est vraiment une organisation. Être discipliné, organisé, savoir ce que l'on veut et bosser dans ce sens-là. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Oui. C'est beaucoup d'enjeux. En fait, chaque ici. Pour ici, il y a eu des obstacles qu'on rencontre habituellement. Il y a un obstacle en particulier qui attire mon attention, c'est la procrastination. Ça retarde vraiment le succès, ça t'empêche de réussir. Donc en fait, j'aimerais savoir par quelle méthode bien, quelles sont les dispositions bien, comment je dois me comporter en fait pour pouvoir, même si ce n'est pas éradiquer la procrastination, très bonne question, merci pour la question. Le colon. L'une des solutions que nous préférons souvent pour la procrastination, c'est de faire un petit bout de papier. Vous écrivez l'élément important que vous rejetez tout le temps, que vous reportez tout le temps. Vous mettez ça à votre chevet de vie. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si. En énergie renouvelable, je ne sais pas combien de matières vous avez et tout. S'il y a une matière qui t'embête et tu te dis que toi-même, quand on parle de procrastination, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire. Mais malheureusement, il y a comme un petit génie là qui parle, qui dit non, attends, tu peux faire ça demain. Non, tu peux le faire demain. Non, ne t'en fais pas. Pourquoi tu te presses? Non, demain. Et puis, de jour en jour, vous n'arrivez pas à le faire. Et alors, cette chose-là que vous avez identifiée comme solution, il faut l'écrire sur un bout de papier, A4 ou A3, ou en tout cas, le format qui vous intéresse, et puis prenez ça à votre mieux, à la maison. Parce que bon, si vous aviez un bureau, si c'était le docteur Couteau qui me posait cette question, je lui disais, dans son bureau, où tu vois ça, pas derrière toi, si tu mets derrière, bon, si tu ne vois pas. Mais tu mets ça où tu sais que, quand je suis en train de travailler, je lève la tête, je vois que, il faut réviser telle matière, il faut faire telle chose. Ou bien, ça peut être même quelque chose de la vie quotidienne. Hein. Tu dis, voilà, mon papa, il est à Paracourt, et puis je ne l'appelle pas assez, la fois passée, il s'est plaint. Écoute, toi, tu es là-bas, tu ne demandes pas des nouvelles, ok? Appelez papa. Aussi simple que ça, tu vois, est-ce que je dis, j'ai appelé papa? Même si j'ai un SMS, papa, bonjour, je t'aime, et tout, ça fait du bon mon cœur, et tout. Donc, quel que soit ce que vous avez identifié comme action à entreprendre pour atteindre vos objectifs, il faut l'écrire. Lorsque vous souffrez de procrastination, écrivez-le, accrochez-le là. Ça vous sert de rappel. Et c'est mental. Hein? C'est... Il y a ce qu'on appelle les mentalistes. Ça, c'est un autre domaine de la psychologie où on arrive à manipuler notre propre cerveau. Vous savez, quand vous répétez quelque chose tout le temps, ça se mélange à votre être. La force de l'attraction. C'est... Bon. On veut entrer dans la métaphysique. Mais c'est juste qu'il faut vraiment travailler le cerveau et comment le travailler en mettant en face directement ce que vous rejetez tout le temps, ce que vous reportez, vous mettez ça, ça vous rappelle et il faut passer à l'action. Dès que vous voyez ça, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui, je le fais. Et souvent, l'autre erreur aussi, il ne faut pas chercher beaucoup. Je vous donne un exemple simple. Quand j'étais ici à Cotonou, je m'entraînais deux fois par semaine, au taekwondo. Mais quand je suis allé en Arabie Saoudite, je m'entraînais trois fois. Parce que l'occasion, l'environnement s'y prêtait, parce que en fonction de mon programme, quand je vais au boulot, quand je finis, tout, à l'époque, la famille ne m'avait pas encore rejoint. J'étais tout seul, donc voilà, il faut occuper le temps et tout ça. Et quand j'ai bougé sur Abuja, je m'entraîne une seule fois par semaine. Si je me dis, je dois m'entraîner 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine, c'est trop. Il y aura des obstacles ici et là, et puis finalement, tu reportes tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas, tu vas téléphoner. Maître, je ne viens pas aujourd'hui. Mais quand vous prenez une petite dose, si vous êtes quelqu'un de consciencieux, votre cerveau même vous dit, non, c'est honteux là, que une fois par semaine, que tu ne puisses pas quand même, quoi.
tu vois. Donc, c'est pour ça que même pour l'anglais, ceux qui veulent apprendre l'anglais individuellement, à leur propre rythme, il ne faut pas chercher à dire, bon, chaque jour, je fais une heure de temps. Non. Moi, je suis en train d'apprendre le portugais pour ajouter le portugais à ma combinaison linguistique en tant qu'interprète. Et là, chaque jour, je me suis fixé comme objectif d'écouter ou de parler ou de lire le portugais. Vous savez pendant combien de temps? Antoinette, devinette? 10 minutes par jour, 10 minutes. Ça peut paraître banal, 10 minutes seulement avant tout. Mais je vous jure, il arrive des jours où je rate ça. 10 minutes seulement, 10 minutes. Donc il ne faut pas vous fixer de grands objectifs, 2 heures de temps. Je vais faire 2 heures d'anglais chaque jour. Vous ne pouvez pas tenir le rythme. Fixez un petit objectif. Pendant 10 minutes, je fais un anglais chaque jour, 10 minutes, je vais lire ou écouter ou parler pendant 10 minutes. C'est déjà bon. Si vous arrivez à tenir ça, c'est la discipline qui est plus importante que le volume. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oh, oui. Même en fait, il y a les organismes internationaux qui recrutent en fait à partir des candidatures qu'ils déposent. Et il y a des sélections qui s'opèrent. Je peux savoir en quelque sorte, pour avoir une très bonne candidature, quels sont les dossiers, qui prennent correctement dans la candidature. Ok. Vous savez, les procédures varient d'une organisation internationale à une autre. Toutes les organisations ne cherchent pas les mêmes choses chez les candidats. Et comme je l'ai dit, la première chose capitale, c'est l'excellence. Lorsque vous êtes excellent, tout le monde a besoin de vous. Tout le monde a besoin de ce qu'on appelle les talents. Tout le monde a besoin de vous. Il y a des directions dans les organisations internationales qui s'occupent des ressources humaines, bien sûr, en fonction de la taille de l'organisation. Il y a des services même qui travaillent sur ce qu'on appelle la rétention des talents. Les organisations ne veulent pas perdre ces talents qu'ils ont déjà. Non seulement trouver des talents pour les recruter, mais en même temps aussi ceux qu'on a recrutés là. Comment faire en sorte qu'ils ne partent pas? Parce que quelqu'un qui est très talentueux, qui est très intelligent, qui est très bon, de manière générale, 1 an, 2 ans après, il est parti ailleurs parce que les gens ont besoin de lui. Donc, c'est pour ça que les organisations travaillent à la rétention. Les critères varient donc d'une organisation à une autre, mais ce qui est commun, ce qu'on peut estimer être commun à toutes les organisations, c'est l'excellence. Quand vous êtes excellent, tout de suite, ça se démarque. Ouf! Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Merci infiniment. Ok, merci coach. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le coach? Beaucoup d'être venu et vous savez davantage maintenant qui est le coach Ramadi Moudakhil. Vous avez reçu de lui ce qu'il faut pour commencer votre marche future. Il vous a bien dit de commencer très tôt, pas pleurer quand vous avez les yeux très profonds. Pour que ceux qui ont les yeux superficiels, quand ils vont démarrer, ou qui avaient déjà commencé à pleurer, vous allez voir que c'est au même moment que les âmes vont sortir, on va dire, ah, je suis pleuré. Alors que toi, tu avais déjà commencé très tôt. Et il a fini en vous disant que il vaut mieux commencer avant la fin. Il faut commencer avant la fin. Il a commencé en première année. Vous êtes en train de rien. Vous êtes vers la fin. Lui, il a commencé avant la fin. Donc, moi, je crois que l'essentiel à retenir. Il faut commencer avant la fin. Commencer avant la fin, mais aussi, il faut que vous soyez persévérant. Non seulement excellent, mais aussi persévérant. Regardez comment. Regardez ce qu'il a raconté dernièrement. Il est allé chercher un stage. Et du point de stage, c'est là qu'il a commencé par avoir des refus. Il a déjà une clé qui ouvre ses portes, si ça refuse, il vient ici, ça ouvre. Vous voyez? Et de là, moi, je suis assis chez moi à la maison, les années où il a pris, dont il parle là, les dimanches soirs, je suivais toujours le journal en anglais. Et c'est comme ça, moi, je l'ai dit encore.
Mais il y a mon papa. Mon oncle, lui, il parlait aussi avec lui, il parlait d'Aïda, la famille. J'ai dit, mais oui, j'ai un problème d'enfance de l'école qui parle aussi anglais. Puis c'est lui ça. Elle dit, ah, c'est lui ça, c'est bien. Okay. Et c'est pourquoi chaque fois, chaque dimanche, tu viens de regarder anglais. Non. J'aimais l'anglais depuis. Mais le voir, ça me motive. Il a parlé de Titi Gwetti English Club. Qui parmi vous connaît Titi Gwetti English Club? Il y en a qui connaissent beaucoup. C'est bon, c'est bien. Moi, j'étais en physique, mais je faisais partie des uniques qui allaient dans le corps d'anglais Titi Gwetti English Club pour apprendre. Même jusqu'à récemment, il y a deux semaines, ils ont fêté à Dédéla. Il était allé. Titi Gwetti English Club. C'est ça. Where there is a will, there is a way. C'est la clé qui ouvre beaucoup de portes. Et vous voyez comment ça s'est passé. Moi, je vous souhaite du courage et je vous encourage vraiment à vous mettre dans les langues. Moi, je parle anglais, je comprends anglais, mais je n'ai jamais fait un pays en J'ai fait mes formations tout seul, avec YouTube. Quand tu veux des choses pointues, par exemple, parce que t'es fort, j'ai suivi une formation chez lui, pour moi. Donc, je vous souhaite de faire l'expérience et de voir ce que ça va donner. Merci d'être venu. Bonne journée à vous et bonne fête. Pour ceux qui vont retrouver dans la...